Je me sens toute petite là d'un coup avec toi. Ah bon? Je vais te dire un truc lunaire, mais là pendant tout ce temps où t'étais pas là, j'étais dans le dur de ouf. Ça m'a mis un an pour capter le truc, mais je sais pas, je t'aime. Je t'aime et j'ai envie d'être avec toi. Ça t'énerve ce que je te dis. Non. C'est fou qu'on n'arrive pas à... Qu'on n'arrive pas à quoi? À être synchro. Parce que c'est plus le moment là pour toi? Il y a des choses qui ont changé depuis... Ah, c'est quoi qui a changé? J'ai une meuf. J'ai rencontré quelqu'un. T'es heureuse? Ouais. C'est pas toi, hein, mais... Mais c'est mieux. Mais ça me saoule, vraiment, ça me saoule. Tu veux dire que c'est mieux avec elle? C'est mieux comme ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux comme ça, c'est une phrase de lâche. T'es en train de dire que je suis une lâche? Ouais. Ouais. Ouais, je suis en train de dire ça. T'as vu, j'ai du culot quand même, hein. Ouais, t'es culottée, ouais. Bah, je suis une lâche alors. Bon, en attendant, avec elle, je me sens bien. En sécurité. Mais moi, je peux te la donner, la sécurité. Tu penses? Non, je sais. Je sais, c'est juste que j'étais dans un autre mindset avant et que voilà, te rencontrer, ça m'a fait déconstruire des trucs, ça m'a fait prendre des chemins, ça m'a... Et je peux pas me dire que là, tu vois, que là maintenant c'est... Que maintenant j'ai pipé tous ces trucs, que maintenant c'est mort, quoi. Donc tu voudrais que je lâche ma meuf et que je revienne comme ça, le cœur grand ouvert. Je veux pas que tu quittes tout pour moi. Je veux juste que tu saches qu'en tout cas, moi j'ai fait le chemin que j'avais besoin de faire pour capter des trucs, que j'ai capté que je t'aimais, que ce que t'as connu, bah, c'était avant. Et que si jamais par aventure, t'as encore des sentiments pour moi et que ça t'intéresse encore de traîner avec moi, bah, je suis là. Et j'ai pas confiance en toi. C'est un peu embêtant, ouais. C'est un peu injuste aussi. Parce que je t'ai jamais mis tôt. Je sais. Ouais. Mais donc c'est quoi en fait le problème? C'est quoi ce problème de confiance? C'est que C'est que j'ai... t'en as plus envie en fait. Ne me dis pas ce que je ressens. Bah ouais, mais me dis pas que je suis pas digne de confiance. Mais tu dis ça là parce que t'as envie qu'on Et qui réessaye. a dit il y a 2 secondes qu'il fallait pas qu'on pense à la place de l'autre? Non, je dis ça parce que c'est sincère en fait. Ok. Et ça sonne peut-être faux parce qu'en fait jamais de ma vie j'ai dû dire un truc comme ça, donc ça semble certainement faux. Même moi je m'entends, je me dis putain mais on dirait que tu mens, mais non je mens pas. C'est juste que c'est la première fois que je dois dire un truc comme ça, c'est la première fois que je suis dans une vérité comme ça. C'est nouveau pour moi. Donc... Je sais pas. Moi non plus, j'ai pas. Donc quoi? Parce qu'on sait pas, on va laisser passer le truc. Bon, on va peut-être se donner du temps déjà. Parce que t'arrives comme ça. Je sais, hein, t'as toujours été honnête, t'as toujours été très, très claire sur la nature de notre relation. Mais en fait, moi, j'ai douillé. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein. Mais là, je peux pas.
il y a encore trop de... Il y a encore trop de choses, en fait. Je t'en veux. Je devrais pas, mais je t'en veux. Putain, mais... Je sais pas, je suis désolée. J'aimerais bien, tu vois, être là, avoir envie de ne pas me poser de questions, y aller, quoi. J'aimerais bien. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis désolée. Bah moi aussi. Moi aussi je suis désolée d'avoir pris trop de temps pour capter. Moi aussi je suis vraiment désolée. J'ai tellement attendu. Ça. Je comprends. Je crois que là je peux pas... Écoute, comme t'as été patiente avec moi, je vais tâcher de l'être aussi. Donc, prends ton temps. Je vais y aller.